J'ai vu votre spectacle, du reste, je l'ai qualifié de Soleil des Caraïbes. Merci beaucoup. Oui, alors ça va être festif, ça va être joyeux, mais il y aura une partie qui sera versée pour Haïti, bien sûr. Ah oui, c'est très important de le souligner. Les billets sont au prix de 30 $ et 10 $ sur chaque billet vendu. 10 $ iront à la Croix-Rouge pour venir supporter les sinistrés du séisme meurtrier qui a eu lieu en Haïti le 12 janvier dernier. Pierre-Michel, vous aurez encore avec vous vos danseuses, les choristes, les musiciens? Absolument. Toute la gang, toute la belle gang sera là avec moi sur scène. Alors, en première partie, cette fois-ci, M. Duperron, ce qui est différent, c'est que je vais recevoir des artistes. Elles sont toutes des femmes. Je suis très chanceux. Bien entourée. Voilà. Elles sont toutes des femmes et toutes des chanteuses très connues de la communauté haïtienne. Y a une, par exemple, qui n'est pas haïtienne. Elle est d'origine thaïlandaise et elle a accepté de venir participer, de venir apporter sa collaboration à cette cause. Donc, elles seront au nombre de 8 artistes qui vont faire la première partie pour moi. Donc, je nomme Yannick Dutelli, Daniel Guillaume, Mireille Filosca, il y en a plusieurs, Miss Sassy, Camille Singh, Maggie Volant. Et en deuxième partie, je viendrai offrir mon spectacle qui s'intitule 360 degrés, la revue musicale avec tous mes musiciens, toutes mes danseuses et mes deux choristes, évidemment. Il faut dire aussi que vous avez des arrangements musicaux extraordinaires. Merci beaucoup. C'est l'album 360 degrés, le dernier, qui est sorti en juin dernier, juin 2009. Donc, je vais devoir interpréter toutes les chansons sur cet album-là. Des chansons qui sont très haïtiennes, parfois poignantes, mais parfois festives aussi. Donc, ça va être une très belle soirée, une soirée haute en couleurs. Et les gens vont pouvoir danser, je le dis et je le redis. Ne vous attendez pas à une soirée triste. Ça va être une soirée festive où les gens vont danser pour justement apporter leur collaboration à cette belle construction qui s'annonce pour Haïti. Elle sera longue, c'est vrai, mais c'est une reconstruction qui sera vraiment très positive, évidemment. Et le monde entier est avec nous. Comme vous pouvez voir, le monde entier a les yeux braqués sur Haïti. Donc, cette soirée-là, il va y avoir de toutes les catégories, toutes les ethnies seront là ce soir-là. Des Italiens, des Portugais, des Maghrébins, des Haïtiens, des Africains, des Québécois, évidemment. Il ne faut pas que j'oublie les Québécois qui ont été d'une générosité sans bornes. Ils seront là une fois de plus. Et je veux remercier la station Planète Jazz 91.9 FM qui a accepté de parrainer cet événement. Et la station CKUT également.